Et aussi un coucou spécial à tous ceux qui sont à la maison, qui connectent ce soir. Que Dieu bénisse à chacun de vous et que la grâce, la bonté, la miséricorde de Dieu y accompagne tout un chacun de nous. Amen. Et ce soir aussi, sans prier, nous la Bible, même ceux qui sont à la maison, pensons la Bible, ce petit cahier, ce petit plume, et que nous allons prendre plusieurs notes, nous allons prendre ce soir. Même nous connaissons ce soir. Après une journée de travail, de fatigue, oui, la fatigue, là, l'école a fait ça, mais quand même la fatigue, mais nous trouver bon pour être dans la présence de Dieu. Amen. C'est ça qui nous montrait de l'amour, de fidélité envers Dieu. Amen. Et que Dieu vraiment les bénisse tout à chacun de vous pour peut-être ceux qui passent par un moment difficile dans la vie. Et nous comptons le bon Dieu, nous attendons le bon Dieu, nous croyons le bon Dieu. Et au contraire, dans un moment plus difficile, là même nous faire bon Dieu plus confiance. Amen. Et ce soir, l'Esprit tout nouveau, la parole de Dieu, gouverne la Bible, ce soir dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 5. Je vais lire ce soir le thème, le titre de ce message, la patience nous conduit à la victoire. Amen. La patience nous conduit à la victoire. Nous pouvons guetter comment une personne, pareil comme nous, qui passe par un moment difficile, pendant qu'il passe par un moment difficile, quand on parle de moment difficile, le moment difficile, il est capable de la santé, il est capable de finance, il est capable de travail, il est capable de famille, il est capable d'enfants, il est capable de foyer, tout cela, il est vraiment nous envelopper et nous dire et nous passe par un moment difficile. Moment difficile, c'est dans tout qui chose moment difficile. Mais dans le moment difficile, et dans qui chose qui nous a pillé, nous a pillé de la prière, nous a pillé de la foi, nous a pillé de confiance et aussi nous a pillé de patience. Comme nous dit dans le mot Maurice, on te dit, et te connaît la patience qui guérit la gale. C'est un petit proverbe, grand-mère, un grand dimon longtemps. La patience guérit la gale. La patience guérit la douleur. La patience lui fait toi aller beaucoup bien loin dans la vie. Et soit de vous prendre un petit peu la patience qui conduit à nous, conduit à chaque chrétien la victoire. Vers la victoire. Nous pourrons guetter ce soir dans l'évangile de Jean, chapitre 5. À partir du verset 4, nous vous prenons. Dans l'évangile de Jean, Jean, chapitre 5, chapitre 5, à partir du verset 5, jusqu'au le verset 9, pour qu'on va comprendre bien ce soir. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Là se trouvait un homme malade depuis combien d'années? 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Jésus fit trouver. Jésus même fit finir connaître que cette personne-là, depuis longtemps, lui malade. Lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur,
Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Verset 9. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marche. Laisse-nous bénir Dieu pour ce parole. Père Saint, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous louez toi, Père. Vous priez, vous bénissez, vous glorifiez, vous exaltez. Vous donnez toi gloire et l'honneur. Merci notre Dieu pour de la grâce. Merci notre Dieu pour de bonté, pour de miséricorde. Merci mon Dieu pour de la main puissante que toujours lui à l'œuvre. Seigneur, fortifiez, édifiez et encourage-nous, Seigneur, dans toutes les situations qui nous traversent, Papa. Au nom de Jésus-Christ, merci notre Dieu. À toi, honneur, gloire et puissance, dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Alléluia. Amen. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade, depuis longtemps lui dit, veux-tu être guéri? Donc ce soir, je vous parle un petit peu sur la patience. La patience nous conduit à la victoire. Donc, un moment, laisse-nous examiner cet verset 5 que nous, dans le chapitre 4, chapitre 5, dans le verset 5. Quand on examine ce verset-là, on examine ce passage-là, nous trouvons cet homme, non pas seulement quand Jésus fut trouvé et Jésus même fut fini qu'on est malade, mais ne pas inquiéter ce soir cet homme dans sa douleur, dans sa souffrance, dans son désespoir, dans son sacre, dans sa tristesse, dans son la peine. Nous pas inquiéter ce soir, laissez-nous dire la conclusion de cet homme qui traversait dans tout ça la peine là. Nous pas inquiéter ce soir sa patience qui lui finit dans là pendant sur les temps de souffrance de malade. La vue que cet homme lui souffrir, lui malade pendant 38 ans. Pendant 38 ans, lui vit malade, lui vit vraiment passe dans sa situation difficile là. Saute et lui vit dedans vraiment un l'étang fait traverser, fait l'air un moment fait traverser. Mais après quoi, sa patience finalement ni le lac qui ne peut causer ce soir. Amen. Puisque le rêve de France, comme sa patience finalement. C'est donc quand la Bible dit, ça fait très longtemps qu'il est là, qu'il est malade, et la Bible déclare la quantité de l'année qu'il est malade, cet homme, c'est 38 ans. Mais 38 ans, cet homme, quand maintenant, lui fait trouve un éclairage, lui fait comment gagner un espoir, qu'il y ait une piscine, dans cette piscine, il y a de l'eau. Ça, de l'eau-là, il a hésité. À chaque fois, un ange, quand il descend dans cette de l'eau-là, il a hésité. Et première personne qui descend là-dedans, lui recevoir son délivrance. Cet homme peut-être désespéré. Cet homme peut-être qu'il perdit l'espoir de vivre que jamais il pourra guérir. Mais quand il fait tant qu'il a un lieu, une place, une piscine, un délo, dès qu'un ange descend là-dedans, c'est lui qui descend premier, il descend en première, lui pour recevoir son guérison, son délivrance, lui finit là l'espoir. Et quand il vient l'espoir, la Bible dit comme ça, à chaque fois qu'il fait ses efforts, elle le fait finir en avant. Et puis malgré qu'il l'autre finir en avant qu'il dit, cet homme finit dans patience. Il finit dans patience pour attendre là, dans son plat, là, pour attendre là, au bord de piscine, il ne reste jamais en patience. Jusqu'à qu'un jour, est-ce que son patience va venir? Un jour, Jésus-Christ même peut passer en personne. Jésus-Christ même, quand il guette lui,
Jésus-Christ même pour chercher cet homme, il quête lui. Jésus-Christ, il finit trouver, il finit connaître cet homme. Depuis longtemps, il a cet homme. Tout pas les guéritoires. Maître, à chaque fois qu'il me fait un zéro, un démarche pour des actes, un lot, il finit rentrer. Mais quel exemple nous capable de tirer là-dedans? L'exemple qui, malgré qu'il y connaît ce délivrance là-dedans, là, malgré qu'il y connaît ce miracle divin là, malgré qu'il y peut faire ses fonds pour lui capable atteindre le but dans ce la vie, un autre finit rentrer, un autre finit rentrer, un autre finit rentrer, cet homme, pas de petite patience et l'espoir. Amen. Il n'y a pas de l'espoir là. Il n'y a pas de long, il est trop tard, il finit pénacimé. C'est ça même qui jouait beaucoup dans la vie à nos jours en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétien. Et dans l'espoir, nous trouver quelquefois, parfois, et dans la lumière qui apparaît au bout du tunnel, un chemin, peut-être nous finir, trouver le chemin puis ouvrir, nous avons un bel espoir, moi pour réussir, moi pour réussir, moi pour capable, moi pour réussir. Malgré qui combien l'obstacle capable est là, parfois nous finissons vraiment nous ressentir. Non, moi pour capable. Qui fait moi pour capable? Parce que Dieu est avec moi. Non, moi pour capable. Qui fait moi pour capable? Parce que moi j'ai la foi. Non, moi pour capable. Qui fait moi pour capable? Parce que le Dieu qui me peut servir, c'est un Dieu qui est vivant. Nous pouvons un grand départ, un grand. Nous disons le mal grand élan, après quoi quelque part on arrivait à nous trouver, et là, mal contracté, mal obstacle, mal empêchement, là maintenant qui arrivait, nous commençons à payer 10 à l'espoir de réussir dans la vie. Et qui fait-nous arriver à perdre cet espoir? Parce que nous ne pouvons pas trouver qui cela arrivait, nous ne pouvons pas gagner qui cela, nous ne pouvons pas trouver. Nous pouvons être qui cela, comment peut donner nous un signe, comment dire pour encourager nous, qui nous voit maintenant, nous voit perdre, nous voit perdre patience. Nous voit perdre patience. C'est dans ce moment-là que la porte est ouverte, que bénédiction peut canaliser là. Bénédiction peut canaliser là. Le diable commence à mettre nos oreilles. Tu vas trouver qui pas pour gagner, tu vas trouver qui gaspille, tu vas trouver de perdre les temps, tu vas trouver qui est impossible, tu vas trouver qui ne savent pas exister ça. Nous avons perdu patience, l'air nous perdu patience d'expliquer, l'air nous perdu patience, l'air nous commençons nos décisions dans la vie. Bénédiction peut venir, peut canaliser, peut venir même, il y a son l'air, il y a son moment, il y a son état. Il est là son jour peut venir, son jour peut rapprocher, peut canaliser, il peut venir. Mais là, on trouve, arrive à faire quelque chose de la vie, nous voyons, manque patience dans la vie. Et cet homme, la Bible dit, 38 ans, 38 ans, le fin est là. Ça veut dire, parfois dans la vie même, ben, si c'est choqué, nous traverser, ma circonstance qui nous traversait dans la vie, ben, les temps parfois qui paraissent difficiles dans la vie, parfois ben, le moment souffrant, douloureux, parfois c'est la même en tant que chrétien, écoute bien, en tant que chrétien, la même, quand je passe ma circonstance difficile, ma moment difficile, situation difficile, ben, les temps qui me passaient, comment dire, ça peut faire nous, comment dire, plus souffrir. C'est la même chrétien, lui, besoin, grand et énorme, plus l'espoir, et nous, c'est énorme, plus de patience. Amen. Qui faire? Qui faire? Parce qu'il nous peut servir un bon Dieu qui est vivant. Amen. Si nous peut servir un bon Dieu qui est vivant, si nous peut servir un bon Dieu qui est tendé, pas aujourd'hui, pas demain, pas après demain, c'est qui nous peut chercher, nous peut traverser, nous peut subir là, bon Dieu pour tendre, pour libérer, pour délivrer. Amen. De la patience dans la vie. Sans la patience, les choses ne peuvent pas arriver là. Oui, il y a la prière, oui, il y a la foi. Même parfois, il y a un grand
par la foi, nous capables non, mais nous puissions aussi patience pour attendre jusqu'à la chose et accomplir et réaliser. C'est patience qui fait. Et la patience des chrétiens, la patience des enfants de Dieu, sont patience tout le temps pour amener vers la victoire dans la vie. Sont patience pour amener vers la victoire dans la vie. Parce que la patience va décourager un petit monde, la patience. La patience lui excite un petit monde, lui encourage un petit monde, lui fait un petit monde à tenir plus ferme encore pour lui forcer dans sa tempête de souffrance de Jésus qui était là. La patience n'est pas faire un petit monde équilibré. La patience n'est pas faire chrétien équilibré. La patience n'est pas faire chrétien découragé. La patience n'est pas faire chrétien petit d'espoir. La patience n'est pas faire chrétien désolé. La patience excite chrétien pour lui capable foncer dans son avis. La patience. Vous voulez dire, la patience n'est pas décourager un chrétien jamais. La patience encourage un chrétien parfois pour faire un pas qui est plus difficile dans son avis. La patience encouragée. D'ailleurs, encouragée. La patience encouragée. Et la patience ne pousse pas de chrétiens, ne pousse pas de enfants de Dieu pour faire un grand qui change peut-être parfois dans la vie qu'ils avaient de ne pas faire. Pas. Et quand nous parle, il pousse nous pour faire un pas plus avancé devant. Lui fait nous rappeler dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 19 à 25. Lui parle nous de cet homme paralytique. Dites la patience pour m'amener nous loin. La patience, il amène un chrétien bien loin dans ce monde. Parfois, le diable capable vraiment amène une pensée négative pour décourager nous, mais ça chrétien lui maintenir, lui faire confiance en mon Dieu. Ayez la patience, il connaît la patience. La patience de Dieu, il connaît la table. Quand tu veux dire la patience, c'est Dieu qui connaît la table. Quand il dit que la famille est capable d'atteindre, et quand il est capable d'atteindre, l'occupe pour l'atteindre, l'occupe pour la prière encore plus là, c'est le jour bon. Amen. Que ça, la patience pas décourager, la patience. La patience pour faire le chrétien qui l'a derrière. La patience c'est pour faire le chrétien sans ce trajectoire, peut-être pas de bonne décision qu'il prend. La patience pour faire le chrétien sans bonne décision. La patience c'est faire le chrétien foncer. La patience dit de nous l'espoir, dit l'espoir. Conviction, l'assurance. Ou la conviction, l'assurance, les gens disent non, moi la patience pour pas t'aider. Car nous pas un mois, moi pour attendre, moi la confiance. Moi dans l'espoir, moi pour essayer, moi pour arriver, moi la patience, moi pour atteindre moi. Et pendant qu'il nous atteint dans nos patience, les gens qui nous fait une grande démonstration dans la prière dans la vie. Et la Bible dans le Conseil de Luc, chapitre 5, 19 à 25, lui parle cet homme paralytique. C'est une démonstration extraordinaire de la patience. Une grande démonstration. Que la patience soit plus un petit monde. À loin dans son avis. Bref, la Bible dit que cet homme qui est paralysé, un paralytique, et il lui donne Paul de Jésus-Christ, Jésus-Christ dans la famille, dans la case, peut prêcher l'évangile. La Bible dit à cet homme paralytique, il n'est pas capable de penser, il loue un canapé, il loue un lit. Quatre personnes, quatre camarades venus pour un lit, comme s'il peut dépanner un service pour amener là-bas. Dans quelle démonstration qu'il y a là-bas? Seigneur, la patience pas décourage chrétien. Ça. Un chrétien qui n'a pas le fruit de l'esprit dans l'idée de caractère. La patience, lui, n'a pas décourage chrétien. Amen. 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 Bon. Un chrétien qui n'a pas chance, ce n'est pas pour décourager. Amen. Même qui s'en a venu dire, il paraît un peu difficile, mais telle affaire, non, 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 mon bataille, moi. Ce grand affaire, c'est chrétien qui n'a pas chance, non, mon bataille, moi. Amen. 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 Si même, non, mon bataille, moi, je vois aussi, même. Amen. Mon bataille, moi. Amen. Non, mon bataille, moi, n'a pas chance, moi, mon bataille, moi. Quand j'ai mon patin, je vais insister, percer mon patin. Je veux dire qu'il y a la conviction et l'assurance. Ce qui est ce qui lui patin là, c'est bon Dieu pour donner. Amen. Dans ce lieu, dans ce moment, dans ce état, lui, sauter, puis les mettre toutes qualités qui sont sur la tête. Non, mon patin, moi, il n'a pas chance, moi.
moi la patience. Quand même comme le temps lui pour écouter moi la patience, moi pour attendre moi. La patience j'encourage. La patience lui pousse chrétien bien loin dans son âme. Quand on a finalement cette paralytique, vraiment, dans la maison que Jésus-Christ peut prêcher, la Bible vient finir la foule. Elle la foule. Et cet homme, il est malade, il est paralysé, quand il finit maintenant, il connaît dans son miracle-là, seule personne qui pourra pas délivrer lui, seule personne qui va guérir lui, comme cet homme au bord de la piscine, seule place qu'on lui connaît pour son miracle, dans la piscine, mais son patience inférieure et good bad miracle au-delà de la piscine. Amen. Son patience inférieure good bad miracle au-delà de la piscine. Pas besoin de descendre dans la piscine. Son patience inférieure arriver rencontrer le Seigneur Jésus-Christ en chair et en os. Amen. Besoin de descendre dans la piscine. Jésus-Christ, c'est toi qui n'as pas envie de guérir. Seigneur, paie la personne pour descendre moi. Paie la personne, lève-toi, prends ton lit et mange. Amen. Ils sont patience. N'avez pas le la foi. Oui, il a la foi, mais qui fait l'idée ça? Je ne sais pas. Même qui n'est pas capable de descendre, il reste là. Il n'est pas poussé. Si tu avais quelqu'un, sort et moi, amène-moi. À qui prends-moi la case? Jésus-Christ béni. Quand Jésus-Christ, tu me crois en lui. Quand tu me crois en Jésus-Christ. Qui veut les croire en Jésus-Christ? Ce patience, il reste là. Même les malades, il reste là. Il attend. De son lait, ce moment, de son état. Et cet homme paralytique, quand il vit maintenant dans la maison, la foule, les quatre personnes, les gens sont dignes de penser, ils sont handicapés. Ils sont handicapés, puis ils sont dignes de connaître pour entendre ton miracle en dents, ton Philippe, ton miracle en dents, mais ils ne sont pas capables d'entendre. Dis moi qui plie bien, qui nous qui est capable de penser, galoper, forcer, lutter, lui pour finir rentrer, tout le monde capable de rentrer, parce qu'il faut bien lire toi pour prendre toi à quoi. C'est donc tu es capable de libérer tout toi. Pendant mon sur le toit de la maison, prends-le par la corde à ta cible. Voilà. Vous connaissez qui est ça? Qui peut-être si nous-mêmes, ça, là, mon désordre, paralysé, mon désordre, handicapé, attends, vous cassez-moi les os, ça coûte là. Attends, vous démontrez moi, puis ça coûte là. Si vous savez depuis là, vous tombez, qui va arriver? Si la corde l'a cassé, la corde l'a saillé. Ça, c'est moi qui ai fait ces épaules, moi qui ai fait ces épaules, moi qui ai fait ces épaules. Non, laissez-le de te faire des épaules. Non, que la patience qui fait. Banane sur le toit de la maison, lève-lui avec la corde. Et c'est Dieu, ça nous pensait. Qu'à côté, peut-être, il a ta sac à café là, il lève-lui depuis là-haut. Prends depuis là-haut maintenant, descends-lui pour la corde au milieu de la maison, devant Jésus-Christ. Pour un petit monde entier. Paralytique, laisse-le faire ça. Il a des qui sont. Nous sommes sur la foi, mais aussi dans ce pas. Patience. J'ai dans ce patience. Sa patience-là qui est dans là, ça qui donne l'espoir là, ça. Dès qu'il te bouge, ça te bouge bien, toi, te bouge bien. Il a des efforts pour faire là. Sa patience fait déjà l'espoir. Sa patience a l'espoir là. Il y a la certitude, il y a la garantie. Tout ça, c'est pour moi faire là. Mon patience, moi pour rester avec moi. Par exemple, la femme de Pierre descend. D'un tel la foule, d'un tel situation. Amen. Si seulement ma main touche. Le bon vêtement de Jésus-Christ, mon père descend pour finir arrêter. Si seulement, mais si seulement, il n'est pas facile pour entrer. Bonne madame. Les filles en courage, les filles à la foi. Je suis même pour identifier sur la foi. Mais il y a même quelque chose qui est là. Pour lui rendre dans la foule là, la foule là. Pas quelque chose patient fin à mettre.
Quelle est la patience pour m'amener loin? Ou patience, nous patience, nos patience, y amène nous loin. Et beaucoup de personnes, quand nous causons nous témoignons pour les frères, qui ont des patience pour un frère d'abord la vie. Amen, amen, amen. Ou qu'il y a des patience pour venir un frère, pour vous dire ça dit qu'il y a une comme ça, frère. Ça veut dire que ça veut dire que vous connaissez quand est la foi que tient un frère. Non. La foi là, il est dans lui. Mais pas pour dire que vous connaissez Zé. Mais pour dire Zéfo là, après, vous connaissez Zéfo pour le faire frère. Mais prenez quelque chose que ça qui se va finir, comment dire, une victoire pour lui. Quand les gars sont victoires, les gars sont batailles. Là, vous témoignez. Vous connaissez frère. N'est-ce pas Dieu qui se frère? Vous connaissez qu'il y a des patience pour le prendre pour ça, mais comme ça, la frère. La patience y amène nous bien loin de la vie. Pareil comme Timoun, bien loin de construction en la case. Les finigas sont permis de tout ce qui choisit de commencer. Astel qui va rendre la case. Dis-moi là, il a envie de gagner sur la case, il a envie de couper son ruban, il a envie de rentrer, il a envie de. Comment dire? Et goûte sur la case, pour être la case neuve qui est rangée. Mais avant qu'il sale la case là, même rentre là-dedans. Vous connaissez combien de patience bizarre prend ça. Amen, amen, amen. Vous connaissez combien de courage bizarre dans ça. Parfois, on peut manger, on peut manger, mais calculer. Dans la bouton de l'eau. Fais la casse, suffisamment. Fais suffisamment leurs ans. Bien crépit, bien malheureux. Fais suffisamment leurs ans. Un moment vient, nous, nous mourrons ici. Amen. Nous mourrons ici. Quand nous prenons des mois, trois mois, nous partons, nous mourrons ici. Vous pouvez arriver, moi. Non, vous pouvez arriver, moi. Quand casse pour sortir, comment casse, on va coller moi, on n'a pas ça, on va attendre le bon Dieu. Amen, amen. Et puis ce qui est pour moi, une vie, belle expérience qu'on fait dans la construction. On doit témoigner ça, le frère. Belle casse, on doit témoigner ça, c'est belle casse. Blonde finit de tirer, elle ferait tirer moi beaucoup pendant mes dépenses. Première fois, on cause un, les enfants, petit bébé, pas dans la case. Vous savez, vous tiens plan juste pour toi là, ça va. Tiens, la case en est sur le plan. Allez, vous voyez, approuver, finir, approuver tout. Père commence la case, paye la case. Peut faire démence housing. Anti la paye, peut commencer construction, anti la paye. Mais anti-gain, la patience fait où? Quelque chose. Féo commence et n'a confiance dans Tiki. Amen. La patience commence Féo comprend. La patience Féo comprend dans Tiki. Ou Paris bien loin dans la vie. Une parole pour venir, un son pour venir, la voix pour venir. Quitte le chat, quitte le dans un mois du fini rangé. Quitte le dans l'orza à gogo, belle la souche l'orza et là. Toi, quand tu finis. Non, moi, n'a pas chance pour moi. Amen. L'île est la moyenne de finir. Moi, c'est pas pour finir. Moi, je commence. Moi, c'est pas pour finir. Et n'a pas l'air. Et n'a pas le temps. Et n'a pas l'année. Et n'a pas le jour. En attendant, moi, je travaille. Moi, je vais rentrer tigui. Mais moi, il n'a pas chance. Par les 20 jours, au bâtiment, vous terminez. Oui, amen. La patience, il y a un prano qu'on prend dans le tigin qui saute, nous capables de fier dans le tigin qui saute. Cet homme, quand vraiment, fut rentré dans la foule, bonhomme descendu pour la corde, il n'y a pas de petit espoir, cette personne-là. Il n'y a pas de petit espoir. Il n'est pas de perdre sa vision, sa but de guérir là, il n'est pas de perdre sa vie. Il attend qu'il n'a pas chance. Allez, descends-moi. Fais des efforts, je descends-moi. Moi, je n'ai pas chance. Vous partez-moi. C'est ce qui va arriver en bas, vous partez-moi. Vous partez-moi, faire un retour. L'autre peut rentrer, l'autre peut rentrer. Non, c'est moi, un retour. Vous partez-moi.
Et cet homme fit dessein devant Jésus-Christ. Jésus admire sa action qu'ils ont fait là. La patience amène un chrétien bien loin dans son avis. Jamais un chrétien qui a la patience de vous décourager dans son avis. Amen. Non, non. Même eux, pour lui, les temps, pas dire non, il gagne comme les temps. Moi, n'a pas de chance, moi, frère. Pourquoi t'as, moi? Quand je dis, moi, n'a pas de chance, pas chance. Vu qu'un chrétien là connaît dans qui lui met sa confiance. Amen. Amen. Son projet, son business, son travail, son la santé, son famille, en attendant, lui connaît dans qui l'amène infini, médecin là. Maintenant, ça qui crée une résiste pour y atteindre son résultat. Et pour atteindre son résultat, il faut que je connais, frère, moi, je n'ai pas chance. Par exemple, la Bible prend nous dans 1 Samuel, chapitre 1er, 1 Samuel 1er, 4 à 7. Il prend nous de Pénina et de Anne. Mais comment la patience, même dans douleur, dans souffrance, même dans maladie, docteur dit, ok, mon fils examine, madame, mon fils dit, fille, mon fils fait ça, mon fils fait ça, moi, t'as nos résultats, venez, moi, t'as nos résultats, venez. Quand le résultat venez, docteur, maintenant, vous l'êtes venez, docteur, bien, il est où? On attend. Docteur dit, on connaît, on découvre ça, on découvre ça, il y a ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai opéré ça, puis j'ai ça. Demande d'avoir réfléchi, docteur. Pendant qu'il va le réfléchir, qu'il va le faire, il va le rendre dans la prière. Amen. Il n'a pas chance aujourd'hui. Il attend. Il attend. Il docteur est fini, la démon est venu pour opérer. Il n'a pas chance. Dans sa patience, il sert bon Dieu. Dans sa patience, il fait bon Dieu confiance. Dans sa patience, là, il commence à causer un bon Dieu. Quand le moment fini, il y a un autre rendez-vous, docteur pour Dieu connaît, fait la Amen. Amen. Mais cette personne-là n'est pas précipité. Amen. Et la Bible de nous, Anne et Pénina, la Bible est comme ça, c'était deux personnes, elle est stérile, Anne est stérile. Et à chaque fois que vraiment je viens dans le temple, Anne comme si, Pénina comme si, mange la tête de Anne. À chaque fois, comme si lui faire une remorque, l'âne qui te paie dans les enfants, te paie dans les enfants. Écoute bien ce soir, nous qui sommes un petit peu pour moi cette suite. Anne, cette fois-ci, lui arrive dans le temple, dans pour lui-même lui dire, Seigneur, guette qui m'a fait souffrir, guette cette personne qui m'a fait la vie amère à cause de mon paie dans les enfants. Anne commence à prier, Anne part dans les temps, dans le temple, et lui-même pour dire, Anne qui n'arrive toi, cramatin, bonnet, comme ça, devenir être ivre, devenir ivre, devenir souvenir, il dit, non Seigneur, c'est les douleurs de mon cœur qui me fait en cause sa clarité là. La voix même, pas de me sortir dans la vie de Anne, tu peux murmurer dans son équerre, avec la rive, tu peux battre comme ça, la voix va me sortir. Mais Anne continue à prier, continue à prier, continue dans les temps, demande bon Dieu. Jusqu'à ce que bon Dieu réponde sur la prière. En attendant qu'Anne puisse prier, en même temps Pénina permet sur la vie amère, en même temps humilié, Anne peut prier, malgré prier, ma couture. Dans le cœur, Anne peut prier, qui infiniment. La patience. Patience pour qui? Patience pour subir ce que Pénina peut faire. Elle n'est pas découragée de ne pas aller au gaspillage. Même combien du mal Pénina, son parole peut faire, Anne fait godly dans. Le silence dans les pieds de Dieu définira beaucoup de patience pour tirer sa coup là. Pour tirer sa coup qu'il peut gagner là, il a beaucoup de patience. Mais quelle sont patience quand il amène?
qu'il se patience quand il amène. Et quand sous patience il amène lui, et bon Dieu qui a des petites choses qui donne les plus meilleures qui donne. Un garçon, Samuel, le meilleur. La patience, toujours beaucoup le meilleur. La patience. Parce que dans la précipitation, jamais un du monde dans la précipitation ne pourrait ici dans son. La vie est dure, oui. Nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Vous connaissez, frère, ce qui vous peut passer, ce qui vous peut traverser, la frère, ce qui vous peut subir, la frère. Vous connaissez des difficultés dans la frère. Oui, nous tout passons là-dedans. Nous tout passons là-dedans. Chacun se dévoile son histoire de son ami. Qui fait pour commencer à matin, Marie-Noir. Qui va sur sa parole, qui va ouvrir malade la tête, ou même manger pas pour rentrer quand on donne des histoires de ses souffrances. Mais beaucoup de monde au milieu de nous, beaucoup de chrétiens ont passé, mais qui amène nous jusqu'à aujourd'hui? Qui fait nous couper de bouter jusqu'à aujourd'hui? Qui fait nous appeler de l'avant jusqu'à aujourd'hui? Qui empêche nous reculer pour derrière tombe dans le précipice? Et que droite, gauche, qui a tombé. Qui nous finit dans le tout? La patience. C'est une patience. C'est une patience. Combien de personnes, combien de maisons, combien de mamans, combien de papas, peut pas avoir de grandes difficultés dans la vie, des enfants, etc. Et là, petit espoir, on est désespéré. Et là, on trouve que peine la solution. Mais quand je compte ça, Jésus-Christ là, je veux connaître quelque chose, Jésus-Christ qui a pas changé, transforme toute situation de la vie, mais je finis là, pas. Et quand on quitte ou écoute le témoignage, il y a un plaisir, il y a une beauté pour écouter ça. Quand on écoute ce résultat après, quand on écoute ce traversé, il fait un pincement au cœur. Quand on écoute son traversé où l'homme coulait. Mais quand on écoute après son patience, qui fait des victoires, il gagne sur la vie. Où j'ai un bon Dieu incroyable, mais voyez ça. Amen. Et là, vous pouvez même nous dire, vous-même, pourquoi vous êtes du monde là? Vous êtes du monde là, beaucoup de patience, toi. Tu es là, beaucoup de patience, toi. Pourquoi vous êtes pas tout du monde là, c'est des patience. La patience, ça veut dire qu'il est chrétien. La patience, ça veut dire qu'il est chrétien qu'il est. La patience, tout le temps, il veut être chrétien, forcément, il est. Même combien il peut souffrir, même combien, parfois même nous dire que nous parlons de patience dans tout qui sera de tout domaine, même dans, peut-être parfois dans la maladie, peut-être quelquefois, quelque chose qui nous traverse de la santé, traverse par l'injustice, traverse par la souffrance d'un foyer, par la souffrance, vraiment par situation, circonstance difficile, problème financier qui nous fait passer difficile. Frère, pour connaître comment ça pourrait établir, comment ça pourrait établir, quand pour sortir là-dedans, quand ça pourrait s'y dresser, quand. Tout un sac qui se lave beaucoup dans nos larmes. Quand nous vous sommes dans nos frères. Mais après, plus tard, après, quand nous faisons témoignage, frère, vous connaissez des difficultés, vous traversez, frère. Guides aujourd'hui, vous ne réussissez là-dedans. Vous sortez dans la tête, vous sortez dans le problème, vous sortez dans la difficulté, vous sortez dans la faiblesse. Frère, vous connaissez beaucoup de patience pour vous avec. Patience. Et puisque nous parlons de patience, nous parlons un mot de patience là, et amène-nous directement le même qui quitte qui tous les temps, tout le monde nous dire, nous prenons beaucoup l'exemple de sa personnage là, c'est Job. Amen. Ça, encore tout chrétien même nous prend l'exemple. Amen. Tout chrétien, sans exception. Si vous dites, frère, si vous causez un petit peu de patience, vous causez un petit peu de douleur, de souffrance, etc., si vous dites, la Bible, qui c'est le cas pour le cas de référence, qui fasse ça pour l'école des hommes, vous dites, frère, Job.
Mais qu'elles sont patientes. Moi, dans le livre de Job, et celles qui sont pour content guetter, pour content lire, c'est le verset pour content lire, moi. Dans Job, j'avais 42 pour content lire. Sauf finition. Sauf finition. Bon, puisque vos comptes ne commencent pas, vos comptes sont souffrants, mais qui sont ce qui extra qui vos comptes en lire, je garantis vos comptes en lire. Amen. Quand on guette son patience, quand son patience est tirée, quand son patience est une vallée traversée, quand son patience est une avenue, et quand son patience, qui son patience est une vallée récompensée. Qui se patient s'il fait les récompenser. Pourquoi ça qu'il s'aboute là, moi? Job. Se traverser, Dieu souffrant, douloureux. Quand on lit ça parfois, la tristesse rentre dans le cœur parce qu'il voit un humain, ou un ressenti, un humain, comment il passe. Sans rien faire de mal. Quand il traverse, il a traversé. Le nom a cisé où j'ai. Si un jour on a bouti l'exemple pour capable de quelqu'un faux, un quelqu'un capable de résister devant la souffrance, la peine qui va être découragé, c'est une personne pour moi prend référence, c'est Job. Amen. Job. Là où lire ça verset, chapitre 40 là, une beauté pour qu'être la récompense de sa patience. Son récompense. Patience amène du monde bien loin de la vie. Patience amène du monde bien loin de son bénédiction. La patience, ça ne met pas des courants à être chrétien. Pour maintenir là. Beaucoup de choses dans la vie nous arrivent à nous passer dans la vie, dans le moment difficile. Là. Beaucoup d'expériences nous faire, qui se soient. Financièrement, nous avons fait une grande expérience. Ouais, ouais. Moi, personnellement, nous avons fait une grande expérience financièrement. Donc, c'est ce qui m'a été dit par la grâce de Dieu. Dieu merci la gloire pour mon Dieu. Amen, amen. Mais pour mon vie là, mon compte la sécheresse. Mon compte qui a fait la sécheresse financière. Pendant 5 sous de la case. Pendant 1 an, il faut l'acheter. Vous voyez ce qu'il faut faire, mon Dieu, je sais ici. On n'est pas beaucoup, on n'est pas beaucoup la paix. On n'est pas beaucoup collé, mal roulé les verres, mal acheté les favoris, mal la pisse poisson. Moi, mené, par la grâce de mon Dieu, vous gagnez. Puis, ça m'est mangé. Là, d'un coup, tu vas manger poisson, tu vas la grosse, tu vas la pierre, comment se couper, mais c'est poisson salé. Amen, amen. Mais nous traversons l'étape difficile dans la vie. Nous traversons l'étape difficile, qu'on appelle la misère, qu'on appelle la sécheresse financière, qu'on appelle qu'on redentit la case, d'être la sable, qu'on appelle qu'il reste un locataire, loin de la sable, il a des enfants, les 15, les 16, casse fini, tu la payes, tu travailles, tu la payes. Mais comme ça, il prend patience, il grandit des enfants, patience, tchilin, il grandit des enfants. Travail changé, travail amélioré. Il commence à faire mal de progrès, il commence à faire le terrain, il met dans la case, pour mettre dans la case, même du bout d'écoutement, 2 ans, 3 ans. 3 ans. Prends l'aune ici, prends l'aune là-bas, travaille dire, travaille overtime. Ben, celle qui saute dans la tête. Moi, vous pouvez intervenir pour la carte. Sauf dans le locataire, moi, vous pouvez intervenir pour la carte. Amen, amen. Mais il y a beaucoup de pas. De patience. Beaucoup de patience. Je dis que mon béni, par la grâce, mon Dieu, moi, n'a pas mérité de rien. Il n'y a pas de grâce. Amen. Il récivit depuis là, je dis. Dieu le rétablit complètement. Là, on ne peut pas verset 40 jours. Bon, si vous l'avez, vous avez beaucoup de possibilités. Amen. Pour patience, il récompense. Mon Dieu récompense moi de vos patience. Patience, il pousse un petit mot pour être là. Patience, il fait comme une expérience dans la vie. Patience, comme on va faire où, comme j'ai envie de la vie de challenger. Ou bien challenger. Mais pourquoi pas? L'autre,
Benassime, non, mon bouquin, challenge. L'autre, tu parles difficile, et les hommes, les diables, tu cantes des mots négatifs, papa. Ça ne donne pas parole négative, ça ne donne pas parole négative, une parole de désespoir, une parole de décourageant, tout fait, tu as l'idée même. Non, mon bouquin, papa, qui fait mon bouquin, papa? Qui fait mon bouquin, papa? Mon bouquin, papa, si vous voulez, c'est bon Dieu fidèle, si bon Dieu avec moi, mon bouquin, papa. Oui, à la fin, vrai, mais merci Seigneur, incapable. Amen. Amen. Incapable, la patience, la mémoire, la patience, tu n'es pas capable. Et pour bon Dieu. Job, tu as traversé, Job, il traversait, nous terminer. Tu as traversé, qui Job, il traversait là. Tu as souffert, Job, il souffert. Vous connaissez ça? La, ça là, dépasse la sécheresse, celle-là. Perdit tout, dépasse la sécheresse. Perdu tout, perdu la santé, même la peine. Non, il est peine. Camarade, non, il est peine. Et vous connaissez quand on a la stress financière, vous connaissez quand on pose pause, vous connaissez quand on pose couler, peine n'a rien dedans. Ni à droite, ou tout camarade, ni à gauche, d'autres lombards, si vous ne trouvez pas. Famille, même pas trouvé, famille n'a pas trouvé. Là, on a une famille, pas vingé tout là. Personne n'a fait grand tout là. Personne n'a pas connu là. Parce que de la sécheresse, vous pouvez n'en rien vite. Dès que vous coffrez, vous pouvez la retarder. Vous pouvez être longtemps. Dès qu'il y a des coups privés, vous pouvez être à la case de la nuit. Vous pouvez le matin, tu vas dire moi. Vous pouvez avoir 25 lots. J'ai dit, vous attendez. Patience. Ça, quand tout ça du mot terminé, quand tout un djimoun est seul dans la misère, prends ça bien vivant le pensée ce soir. Quand tout ça de la misère, ben n'a rien. Bon Dieu n'a mené ce niveau, bon Dieu n'a mené cette bénédiction. Quand tout ça devait se tourner à l'arrivée, il y a deux choses qui viennent passer sur la vie. Première chose, bon Dieu dit vous pourrir, madame Zot. Et deuxième chose, patience. Beaucoup de patience. Et que la patience fait au lit de tempête. Amen. Patience fait au lit de souffrance. Patience fait au travers de ma circonstance difficile. Patience. Mais le fruit, quand j'ai le fruit de la patience. Puis tout dit toujours fruit ça. Et ça, pendant qu'il passe là-dedans, il s'accouille un petit peu. Par exemple, un avion par la turbulence, il s'accouille. Même c'est moi que même qui peut s'accouiller, tu me disais non, moi je ne peux pas s'accouiller. Non, moi je ne peux pas abandonner. Non, moi je n'ai pas pour abandonner. Moi je commence quelque chose, moi je peux foncer. Moi, pas pour relâcher. Non. Quoi qu'il arrive, moi, n'a pas pour arrêter. Moi, vous foncez, moi. Parce que bon Dieu, quoi, avec moi. Bon Dieu, pour Dieu, pour moi. Bon Dieu, pour donner courage. Bon Dieu, pour donner patience. Bon Dieu, pour aider moi, pour faire ça, c'est pour là. Et c'est moi, pour pas vous baisser, moi. Moi, il n'a pas chance. Amen. Et ce sont les saints, les autres qui ont ce jamais. Amen. La patience de conduire. Un enfant bon Dieu vers la victoire. Donc, patience pour une vraie victoire. Un truc qui est impatient, jamais ne va vous rester sur la vie. Que vous commencez, vous parlez du vent, vous faites la patience éteinte. Que vous faites joli commencer, joli démarrage, puisque les pays de la patience, jusqu'au moment de l'homme est canalisé, peut finir, la même ils étaient les pas, les paysans, les pays de la même. Mais le chrétien qui a la patience, il peut se capter. Arrive ce qui est arrivé. Trouve ce qui m'a trouvé. Tente ce qui m'a trouvé. Dans les circonstances qui m'ont trouvé. Laisse tout. Moi, il a la patience. Amen. Moi, il a la patience. Et quand on dit, moi, il a la patience, Dieu, il y a ça qui se encadre moi. Bon Dieu, il y a avec moi. À cause de bon Dieu, avec moi, je prends patience. Et il est la même qui va donner à la fin, notre fruit à la fin. Amen.
Ce soir, le Kissa, l'ose de guerre. Nous vous prions ce même début ce soir. Nous vous prions ce soir pour toute personne qui peut passer par une circonstance difficile et quelque chose qui est bien vite et bien rapide qui rentre dans la vie. Un chrétien dans un jour sur la vie, c'est le découragement. Bien vite. Bien vite, il ne va pas ce qu'il fait. Tous les jours, nous avons une situation difficile devant nous. Tous les jours, nous avons quelque chose avec qui nous pouvons éviter, avec qui nous pouvons faire face. Parfois, vraiment, nous pouvons la force, la courage là, va arriver à nous décourager. Et ce soir, nous pouvons prier ce soir pour toute personne qui est découragée dans la vie. Pendant une situation qui veut passer, nous ne pouvons pas pour nos personnes, non rien. Pendant une situation qui veut passer, circonstances qu'il peut traverser, par qui seul peut-être qu'il peut atteindre, par qui seul qu'il peut faire, qu'il peut trouver beaucoup dans une situation difficile, là, l'autre chemin, peut-être qu'il peut perdre un petit peu d'espoir, il peut perdre sa confiance là, il peut perdre ça à la fois là. Mais ce soir, il répond ce soir. Et quand il répond cette fois-ci, écoute bien, quand il répond cette fois-ci, réprends-lui cette fois-ci, prends-lui avec patience dans ton avis. Amen. Tout le Dieu de la prière, même Seigneur, quand même petit pas pour vous faire, Seigneur, mais vous prenez la patience. Même si vous coûtez moins les temps, Seigneur, vous prenez la patience. Même si vous souffrez, Seigneur, vous prenez la patience dans sa souffrance-là. Parce que vous connaissez de quoi avec moi, à cause de toi avec moi, vous connaissez vous pour réussir. Vous pour réussir et vous prenez la patience. Oui. Ce soir, même si vous dites, j'ai fait. Laissez-vous prendre la main, l'eau de l'équerre. Merci, Jésus. Maintenant, chacun dans la prière, la circonstance qu'il peut traverser, financièrement, enfants, foyer, famille, la santé, même la santé, même pas qui chose peut-être du personnel, on va vous nommer rien. Quand cela fait nous décourager, cela nous amène nous dans un découragement. Quelquefois, nous sommes venus décourager, nous avons relâché, nous avons arrêté la même. Nous parler continuer, nous pas envie de continuer. Pourtant, un bon qui sort, nous peut le faire, un bon qui sort, nous commencer. Mais nous commençons à décourager au milieu, nous commençons à décourager. Nous commençons à perdre l'espoir, nous commençons à perdre la vision. Nous commençons à perdre sa pute qui nous tient dans là. Et c'est un moment, nous disons, bon Dieu, devant sa courage là, vous pouvez venir dans la patience, Seigneur. Vous connaissez dans ce combat-là, vous pas tout seul. Dans des morts, ça, vous pas tout seul. Dans ce plan-là, dans sa vision, vous pas tout seul. Toi avec moi, Seigneur, qui s'efface, vous pas perdre ça, l'espoir-là. Vous pas perdre sa vision-là, Seigneur Dieu. Mais tel comment il était, vous connaissez, vous pourrez ici, Seigneur. Vous pourrez ici, vous avez besoin de beaucoup de patience, Seigneur. Accorde-moi cela, Seigneur. Et chacun pour la main sur le cœur, nous prions nous tous ensemble.